Tout avec ce beau petit violon électrique qui a l'air de nous dire « Hypez-vous !» puisque c'est le loser match et que Zest est dans la panade. Zest a manqué de respect dans le premier BO3. Et face à Teija, il va falloir éviter ce genre de dynamique parce que sinon on se retrouvait out de la GSL et pour le champion en titre, ça ferait tâche. Ah, ça ferait tâche, surtout face à un homme qui s'est fait défoncer 3-0 sur leur dernière rencontre, qui fait humilier. Ouais. Est-ce que tu te souviens de cette première game sur Station Orbital où il fait DT et il redrop les DT parce que dans la base, alors qu'il avait déjà DT parce qu'il est passé au-dessus des trois bases et qu'il a vérifié qu'il n'y avait pas d'énergie pour balancer un seul scan, c'était tellement du grand art. Mais voilà. Grand art. 3 mois se sont écoulés depuis. Teija a pris sa retraite, mais Teija est toujours là. Zest était impérial contre Terran. Là, il s'est fait bousculer face à Ryung. En fait, les cartes sont un peu rebalancées, sont rejetées. Et voilà. Zest va-t-il confirmer ? Bah, en tout cas, s'il veut se remettre en selle et peut-être avoir plus confiance en son jeu, Zest qui démarre avec Dust Tower, ça fait toujours plaisir. C'est sa map iconique pour le PVT. Derrière, on va jouer Frozen Temple et on terminera sur New Gettysburg qui a l'air d'être le set de map qu'on utilise très souvent dans le match-up PVP. Il passe à travers les trois maps passent à travers la phase de veto. Et pour Zest, et ben voilà, il ne faut plus rigoler, il faut plus déconner. Et c'est le moment où il faut écraser la concurrence et le faire avec brio pour se remettre dans le bain. Puisque de toute manière, il y aurait un éventuel rematch face à Ryung dans le deuxième BO3. Voilà, ce qui permettrait de se venger comme il l'a fait dans ce round of 32. Où c'était MC qui avait été bourreau. Mais voilà. Lors des joueurs complètement différents, et déjà la hype va-t-elle continuer? Cet homme, désormais Teamless. Teija. Teija. Teamless, mais pas ce qu'il laisse. Ah, ça, c'est pas peu de le dire. Un des grands génies de StarCraft 2, à l'orée de la fin de sa carrière. Il n'arrive pas à prendre sa retraite car il est trop fort et il continue de passer en bas à gauche, en Protoss rouge. KT Rolster. Zest. Not only the defending champion. Zest. Champion en titre, justement. Vous l'avez entendu. Not only the defending champion, but also a PVT master. Un génie dans le match-up seulement. Aujourd'hui, on a droppé un BO3 et ça ne lui arrive que très rarement. Et la situation que je trouve ça assez souvent et qui va vraiment, qui est vraiment l'illustration du haut niveau, c'est Grubby disait, la plus grande difficulté, c'est pas d'arriver au plus haut niveau, c'est de s'y maintenir. Et là, on en a l'exemple parfait dans le jeu où la méta évolue. C'est ultra difficile. T'étais dans le sport, je dirais physique, tu vois, avec les Olympiques. T'as Phelps, voilà, c'est l'homme, c'est le plus rapide. Tant que physiquement, t'as pas un mec qui va naître un jour plus rapide que lui et décider à s'entraîner autant. Tu t'étais bien dans les 3-4 JO que ta vie te permet de faire. Ouais. Dans StarCraft 2, avec la méta, bah des fois, t'étais un dieu pendant 2 mois et après, les gars, ils ont trouvé le contre et tu dégages. Alors Zest, il a été impérial pendant 6-7 mois. Il l'est quasiment encore. Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas sur sa première chute réelle contre Terran depuis la sortie de Legacy. Ouais, depuis la sortie de Legacy, parce que tu perds contre Maru en finale de la Pro League BO1 sur une game de 40 minutes. Bon, tu drops deux maps à TY. Pardonne. C'est ça. Grosso modo, voilà, jusqu'au démarrage en fait de la saison 2 de la GSL et de la Star League, pour Zest, c'était 3 maps perdues. TY 2 fois, Maru 1 fois. Et c'est suffisamment ouf pour être noté. Là, on est sur le premier drop de skill de Zest. Ça ne fonctionne un petit peu moins bien côté Zest. Mais il reste un adversaire énorme. Seulement, on sent quand même une légère baisse de forme parce que non seulement il y a eu cette défaite là face à Ryung. Mais il y a un groupe de Star League un petit peu pérave pour Zest qui drop des games en PVP. Ouais. Il y a eu des défaites contre MC, inattendues. Alors qu'on le rappelle, non seulement en PVT il était imbattable, mais quand il joue Dir en demi-finale de la GSL, il lui met 4-0. Il était présent dans tous les match-ups, peut-être moins en PVZ, mais il en avait moins à jouer, puisque en Corée on a quand même un sacré déficit de joueurs Zerg en ce moment. Donc à peu près parfait dans tous les match-ups qu'il avait à jouer régulièrement, le PVT et le PVP. Là il y a de la map droppée. À la finale de la Pro League round 3, il n'est pas super efficace, Zest, il arrive, et il perd, enfin plus que pas super efficace, il arrive pour perdre.
et pour faire perdre son équipe puisqu'il perd SOS en PVP. Donc il y a pas mal d'erreurs, hein. Pas mal d'erreurs qui sont faites du côté de chez Zest. Et attention à la sortie de route. C'est ça, attention à la grosse difficulté de devoir se maintenir au plus haut niveau, toujours essayer d'avoir le petit coup d'avance qui est délicat. Après, quand le sortir, c'est ça, peut-être qu'il a des stratégies de ouf, mais il est là en mode, ouais, bah, je vais pas aller sortir contre Ryung. Ah bah ok, trop tard, tu t'es fait défoncer. Est-ce que je voulais sortir contre Teja? Bah il y a peut-être une urgence. Là, je vois un Aura, tu vois, je suis content et à la fois déçu. Il m'avait tellement vendu du rêve SOS face à Tiwa, il fait sa strat avec les Void Ray, puis après, il fait des trucs chelous. N'importe quoi. Alors ici, est-ce qu'on est bien positionné défensivement? Apparemment pas, hein. Teja qui ne prend pas de risque et qui va virer l'intégralité de ses SIV. On va prendre 2 marines, 3 marines et 4 SIV. La micro est impeccable. Voilà, Zest, c'est comme ça qu'on l'aime. Il n'y a pas de temps perdu, le kiting est parfait. Et cet oracle qui repart avec 9 kills comme un seigneur. C'est tellement dingue, quoi. 9 kills, aucune perte du côté Protoss. Voilà le mec qui revient dans son élément, hein. Je fais une game parfaite qui en général se transforme en un timing, en timing attaque 3 bases et puis je te bute. On va voir s'il arrive à aller jusque là. On prend Marine, petit un peu moins parfait, mais à partir du moment où tu as fait 9 kills avec ton premier oracle, est-ce que tu as besoin d'être gourmand sur le deuxième? Je dirais que non, autant essayer de le conserver. Bunker kill. What? Ok, bah. C'est vu direct, mais c'est vrai que ça, et on l'a vu, hein, Zest avait un petit problème de scouting, hein, dans les séries précédentes. Bah, typiquement, le mec le voit pas, c'était un bunker en plus déjà préparé au moment où ton push sur la B3 arrive, c'est cool. Et Teja, on en a pas parlé, mais Teja il est parti sur un opening assez standard, assez standard de Wings of Liberty en fait. Il a fait son expand et puis ensuite il a payé 3 racks très très tôt. Et il joue réacteur Tech Lab très rapidement avec un espèce de push bio avec le stimulant pour défarasser la B3. Est-ce que Zest est en place? Il y a 2 pylônes qui viennent de se terminer. Ouais, il y a la sentinelle, il y a les oracles qui sont là, on n'a pas tenté de placer de stase. Enfin, défendre avec de l'overcharge, hein, donc c'est bon, il y a le stop qui dit non, on a désormais 20 SIV de retard, il faut faire mal, hein. Là, Teja, c'est faux. Tu peux pas tuer avec ça, mais il faut faire les dommages qui peuvent te permettre de le faire derrière. Ouais, faudrait prendre l'écho et éventuellement détruire le Nexus, mais on voit un Zest là, voilà, qui joue sérieusement, qui accepte le fait qu'on est sur quelque chose de très agressif de la part de Teja et qui ne joue pas en prenant l'adversaire Terran par-dessus la jambe. Oh, les force field qui sont un peu tardifs ici, et la bio qui va commencer à rentrer dans l'art. Zest qui va même pull les props. On se débarrasse d'un oracle, est-ce qu'on peut avoir le deuxième? Il n'y a plus de marine dans cette compo-ci, le deuxième oracle qui tombe. Mais est-ce que c'est réellement suffisant? On vient de donner toute la bio qu'on a accumulée depuis pas mal de temps et on n'a pas fait de dégâts économiques ni détruit le troisième Nexus. C'est ça, on n'a pas de troisième CC en face, le plus attaque est loin déterminé. On a la Forge allez, qui va pouvoir bosser avec le chrono boost, on devrait rattraper son retard de upgrade. Non, c'est absolument énorme. La Zest qui fait ce qu'il faut, t'as les kills avec l'oracle en début de partie, tu ne les perds pas, ce qui t'aide à défendre derrière, et t'es obligé de pull tes sondes, mais c'est pas grave, c'est de l'extra. T'es à 39 contre 59 et oh, il a déjà envie de tuer. Oh ouais, c'est comme ça sur mode. Non mais jamais, genre sors. Genre c'est ok, là. J'ai perdu Grion, mais toi je te perdrai jamais de la vitesse. Ouais, genre. Ouais. En tout cas, il va y aller de manière agressive en rajoutant des sentries durant dans sa composition. Il avait pas mal de gaz en stock. Les adeptes qui vont venir commencer à poker ce wall. Les dépôts seront la première cible et non pas le réacteur. Hein. Côté Terran, on a la vision. Et l'adepte, hein, qui peut se permettre de tanker, qui va prendre le dépôt. On va force field derrière pour empêcher une sortie de l'armée Terran trop rapide. Et les gates qui vont se terminer. Il y a 5 gates qui sont en train de se terminer. Il y a un prisme de transfert qui traverse la carte. Et ouais, on est bien, on est énorme du côté de chez Zest. Là pour l'instant, c'est le contrôle le plus total. On est en train de prendre les gaz, on va développer le tech. On arrive sur le Dark Shrine. C'est la game parfaite, la game rêvée contre Terran. C'est la petite agression de début de partie qui permet de contrôler le terrain. Et bah, le Terran est là en mode. Ouais, bah, il va avoir droit à avoir une petite pop à un moment donné. Malgré ça, je vais lui sauter dessus. Il a chargé des sentries là. Il va à la race sentry là. Très bien. Ok. What the fuck? Là. Non mais il a tellement... Un sacré rapid fire quand même, hein, du côté de chez Zest. C'était ouais. très clean, là il vient de warper 6 adeptes, 7 adeptes en l'espace de... Oh le cycle de ouf. Et la pression qui est mise en frontal, un cycle devant, et les force field qui sont bons, hein, les sentries, mine de rien, très très utile dans cette composition avec le Guardian Shield. Plus de défense, plus de shield également, permis par ce Guardian Shield. Et là sur deux fronts, Zest qui ne perd pas de temps et qui tue son adversaire. Alright. Voilà, ça c'est déjà un peu plus le Zest qu'on attendait. Ben ouais, micro oracle parfait into GG timing. Pas de temps à perdre. I defend and I kill you. You make expand and you defense it, bien sûr. Ah là c'était you make expand and you kill him. Ouais. Ah là il n'y a pas eu de défense en fait. Enfin si, il y a eu une défense sur la B3 et ensuite c'est vrai. Qui a été traversé, était Jack qui rigole, qui est là. Bon ok, qu'est-ce que je suis censé faire contre ce mec là? Quel est le build du swag qu'il va falloir que je sorte pour faire dérailler la machine Katie Zest?
J'avoue que c'est vraiment ça l'idée, c'est faut faire dérailler le joueur Protoss. Voilà, ouais. Faut pas te chercher à te mettre en opposition si tu... Ah bah si tu le fais TGV Zest tranquillement aller à 450 km/h, le problème c'est qu'il va te marcher, il va te rouler dessus. Tu peux toujours essayer de mettre une bagnole sur les rails, la bagnole va se faire écraser la gueule quoi, ça va beaucoup trop vite, c'est beaucoup trop fort. Même une Lamborghini de la qualité de Zest, de Teja bien sûr. Teja contre Zest, deuxième game qui va démarrer sur Frozen Temple. Une possibilité peut-être pour ce joueur qui a spawn en bas à droite en Terran bleu sans équipe d'être agressif. Teja. Il est pas mal la petite veste GSL, elle est quand même cool. Hein. Ouais, ça vaut la peine de pas avoir d'équipe hein, pour pouvoir la porter. Peut-être tu quittes ton équipe pendant deux jours, tu la rejoins après. Ici on gauche. Zest. Tanawa. Zest. Je pense que là où il faudrait faire leur... Parce que dès quand ils font le, comment dire, un peu les making of, les petites vidéos, il y a toujours les. Tu vois toujours quelques petites images sympathiques et tout, mais en vrai, je pense qu'il faudrait filmer l'intégralité du truc où tu demandes aux joueurs de prendre des pauses, quoi. Ça doit tellement être awkward. C'est-à-dire ? Genre, vas-y, alors là, faut que tu fasses une pause fighting. Peut-être tu vois les faire joueurs des pauses dans ce sens-là. Non, vas-y, mets-y un peu plus de cœur. Essaie de sourire. En général, les joueurs sont assez coincés là-dessus, quoique là, on commence à avoir des joueurs d'expérience dans le domaine. Bah ouais. Mais je me rappelle à Broudoir, il faisait beaucoup ça, et tu vois les joueurs, t'es là, oh mon dieu. Sur Broudoir, les mecs n'étaient pas encore super à l'aise, à part l'éventuel Fire Batiro qui arrivait et qui se foutait à poil pour se balancer dans la flotte à la fin d'une finale Pro League. C'est vrai qu'ils étaient pour la plupart peut-être un petit peu plus sérieux. Même Yon sur Broudoir hein, qui a fait des cérémonies plutôt cool. Oui, t'es bourré. Hein. Voilà, le fake bourré. Beaucoup trop drôle. Ouais, beaucoup très, trop. Très très bon. Et puis je l'ai vu bourré en plus, donc c'est assez proche de vraiment de comment il est quand il est réellement c'est bourré. C'est là que tu dis, est-ce qu'il fake vraiment? En fait, il était vraiment arraché. On vous invite à la regarder, hein, cette cérémonie. Vous tapez Yon Drunk Starcraft Cérémonie ou un truc comme ça sur YouTube, vous allez le trouver. Et elle est dans une des vidéos des best cérémonies de Broudoir. Mais c'est là où tu vois que la. Enfin, tu vois, pas les joueurs se décoincent, mais en fait, que la mentalité. Et va dire les coutumes évoluent quand tu vois les matchs de Broudoir, genre dès que t'as une nana qui passe à l'écran, mais ça se planquait instantanément. Maintenant, c'est limite si ça fait pas le petit clin d'œil, tout ça, le petit regard. Cheeky cheeky. Cheeky cheeky. Alors, le SCV ici qui va obtenir le scout, on va voir un double Rax de la part de Teja, peut-être pour un early double drop, un peu à la manière du Coca Build. Ah, est-ce que c'est même pas le réel Coca Build? Le vrai de vrai? Alors, le vrai de vrai, c'est tu temporises et tu fais 4. Tu fais 4 drops au lieu de 2, hein, de mémoire. Quoi, le Coca Bill, il fait un truc chelou. Il attend d'avoir le shield et le plus 1, en fait, Coca, quand il le fait. Il fait la version bizarre. Pour la petite histoire, j'ai essayé aujourd'hui et ça fonctionne pas trop mal, en fait. Ah. En fait, le seul problème, c'est que j'ai joué 3 fois de suite un mec en TVZ et je me suis dit, je n'ai qu'un build. Donc il va bien falloir que je fasse des variations un petit peu infimes. La première game, je lui ai fait nature. La deuxième game, je l'ai fait avec le double drop tank en follow-up et j'ai joué tank. Et la troisième, j'ai fait Coca Build où j'ai fait un quadruple drop avec 3 mines. Et il a pris les plus grosses détonations de mines de toute sa vie. Et du coup, j'ai gagné la partie. C'est là où t'as toutes les larves, tous les drones, la queen qui meurt en même temps. Ça connecte deux fois avec genre 15 zerglings, tu vois. Oh. Donc, du coup, genre, il n'y avait pas de split. Absence de split de la part de mon adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? En TVP, c'est un peu moins commun. Ah, il va nous faire un timing concussive shell sur celle-là. Est-ce que c'est juste pas la même chose que ce qu'il a fait la game d'avant? Non. Bah, sans le timing concussive. Tout à l'heure, c'était un timing sim ce qu'il a fait. C'est vrai. Donc là, c'est la même chose, mais avec 3 racks, encore une fois, un follow-up 3 racks. C'est vrai que quand c'est pas scouté, c'est un peu le build de manque de respect où t'attaques au moment où le gars a la B3 et tu la dégages. Hein, si le mec a tenté de la mettre. Darkshine, très bien. Oh. Très bien. Bah, c'est pas mal contre. Enfin, c'est un peu rickrack au niveau du timing, c'est même trop rickrack. Ah, il l'aura pas au moment du timing. C'est même, t'as même pas de pylône là. Ouh là là. Après, tu me diras, la B3, elle est assez tardive. Est-ce que Teja il va quand même en dépit d'une B3 lente? Ok, le Reaper. Le Reaper, qui a pas vu la Dark Shine, je crois. Ouais, non, il l'a pas vu. Il doit savoir qu'il y a un problème quand même. Là, y a pas de bâtiment de tech là. Pigeon! Pas de bâtiment de tech. Non, parce que là, il est complètement décalé, hein. Y'a pas de pylône, what the fuck! Y'a pas de pylône et y'a un prisme pour dropper des. Mais y'a pas d'unit en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, du coup, la pression qui va être complètement réelle, le prisme qui va revenir se positionner, ça manque d'unité. Please. Et du coup, on va perdre des probes. Attention, Zest avec ce build order un peu greedy, ce drop DT avec très peu d'unité, surtout pas de pylône au niveau de la B2 et pour l'instant en train de se faire abuser. Oh là là, 12 probes de tomber. C'est énorme ce qu'est en train de faire Teja ici et Zest dans la panade. La plus totale, il est en train de se faire complètement miller la gueule, le bunker qui a été relancé, le baril qui est là. Ah, finalement, c'est.
Putain, le mari en fait il se fait bloquer du coup, ça la décale ici. Lol, il l'a vu. Non. Parce qu'il a vu le prisme. Ah. Il est en train de payer les tours, il est en train de payer 3 tours, elle t'es déjà. Et les dégâts qui sont toujours là. Il va perdre le Mothership. Attends, de l'autre côté, il est en train de perdre le Mothership et un adepte de plus. Oh là, le calvaire pour Zest. Calvaire qui a bouclé. Par contre, les détections sont là. Attention, les tours de lance missiles qui sont balancés. Oh, ça se termine. On n'a pas réussi à battre le bon SCV. Ok, est-ce qu'on peut sauver la tourelle? Est-ce qu'on peut sauver la tourelle? Non. Le prisme de transfert qui, du coup, est juste à côté. On va payer le scan et du coup, on va sauver. Zest! Oh, Zest qui s'en sort tellement bien avec une micro. Oh putain, la panique. Ah, il récupère les trois, mon dieu. Oh shit. Oh, c'est tellement chaud. Il est tellement en train de flirter avec le précipice là. Et Zest, il a besoin de faire du dégât. Hein. Il a pris tellement de dégâts. Comment fait-il? Il va le perdre. Ouais. Non mais lol, il se décale d'un tout petit peu en disant là le marine peut pas me toucher. Ok. Quand même, bordel. Donc en fait il a warpé 3 DT pour perdre les 3 qui étaient dans le prisme. Tristesse. Alright, les DT qui sont là bien isolés, du coup on va claquer le scan avec le Consigui Shell, c'est 3 DT de plus qui vont tomber. Zest, qui est dans la merde. Il a fit 5 DT, plus ceux qui sont morts hein, directement. 5 DT, le prisme est une chier de probe. Il a rien, Zest, il a aucune tech. Oh! Il a pas d'unité. Est-ce que tu peux pas avoir moins d'unité que ça, quoi? Bah non, tu peux pas, hein. Tu peux pas, hein. Enfin, à moins que t'aies pas de probe non plus, quoi. T'as zéro. Zéro unité. Zéro unité, t'en avais zéro en prod, en fait, ça, la tristesse du. Parce que là, c'est déjà beaucoup trop que ce que. Il a même pas refait notre vaisseau mère. Oh la panique. Bah il a pas de thune hein. Et 5 DT c'est l'intégralité de son income de gaz. D'ailleurs si on regarde sur la B2 je crois qu'il a pas de probe au gaz. Parce qu'il était tellement en chien, voilà il vient de les remettre là. Mais il était tellement en chien économiquement parlant que. Bah il l'est toujours, hein. Là il y a 9 trucs comme une rien. Je pense que là en fait Zest s'est dit je vais all-in DT et je vais essayer de faire en sorte de juste le tuer. Et de ne rien révéler du coup. Les bons force fuites d'ici de la part de Teja qui va warper un DT en défensif, un deuxième également. Non, c'est un adepte, le DT qui s'est fait prendre au jeu. Troisième force field, il n'y a plus rien pour Zest. Zest, il n'a pas d'unit, il est en train de se faire complètement rentrer dans l'art à coup de marine et de maraudeur. On va prélever encore une fois 3 sentries, 300 de gaz de plus et les marines qui s'en donnent à cœur joie dans l'économie. Teja en train de rentrer complètement dans la face de Zest. Oh non, après avoir perdu contre Ryung, là, Teja pourrait récupérer le point. Et tu vas voir P quoi tu... Ok, tu warp de la DM plutôt que du DT, tu essaies de faire très vite. Non mais c'est chaud de voir ces sauts en difficulté quoi. Et Taeja, mais qui lui est en mode godlike, hein, il fait absolument ce qu'il faut. Il s'est pris 10 DT dans la gueule, ça défend, ça scanne, on vérifie où on en est. Et on voit qu'il y a ça, c'est à poil en fait. On voit qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de robot disponible pour. Enfin, s'il y a une robot, mais une robot qui ne tourne pas, à part faire des prismes depuis le début de la partie, très peu d'ops sur le champ de bataille, donc aucune vision. Et pas de B3, je veux dire, on est à 7 minutes 37. Normalement, à ce moment-là, Zest, il est limite en train de push avec 12 Blinkstalker, il a 66 probes. Là, il a pas de 3 base. Oh! Et il s'en sort. Ok. Like a boss. Très bien. On a 4 adeptes, le DT sur le côté, les Medivac, et là, on va clairement faire un timing avec. Avec les vacs, avec le soin, ce qui devrait permettre peut-être de conclure cette game où le joueur proto, c'est tellement dans la galère la plus totale. Doit de vaisseau mère, mais non. C'est en fait l'option que le terrain traverse la carte n'est même pas à envisager. S'il traverse la carte, en fait, c'est déjà mort. Donc pourquoi faire un doigt de vaisseau mère? C'est sur cette idée qu'il est en train de jouer Zest. S'il attend de voir le terrain sortir pour contre-attaquer et trade base, on sait pas trop comment, c'est genre. C'est quand même dire dans quelle situation de merde il est, Zest, hein, sur cette partie. Si lui-même ne peut pas se déplacer, il peut pas traverser la carte, mais il peut pas non plus réellement poser de B3, sinon il se fera emmerder. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de voir passer 4 DT là. Il a combien de DT là? Il a 6 DT sur le champ de bataille. Et ils sont partout, hein. Il a des DT partout. Ah, il va couvrir toutes les rampes, tu me diras, en même temps c'est une belle taxe. Hein. Ouais, chaque fois que le DT va foutre un coup, allez hop. Là, tu me diras, il y a le shield qui s'est terminé, du coup ils se font plus one shot. Là dans ce prisme, c'est 4 adeptes si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 4 adeptes. Il part vraiment en cacahuète la Zest. Hein. En même temps, il est tellement derrière, est-ce que c'est pas un call qui a du sens de faire? Ouais, non, mais t'as pas de thune pour faire de l'op, tu fais des DT à la place et tu les mets partout. Hein. C'est un peu con, mais c'est ça l'idée. Hein. Il a vu que son adversaire va traverser la carte, du coup, pam, gros cycle dans ta face. Ici, avec les adeptes, est-ce que ça pourrait le faire? Ouais, il y a moyen, hein, ça fait mal. Hein. Énorme micro ici de la part de Zest, mais du coup, les doubles médivacs qui avaient été chargés vont être envoyés défensivement, pour gérer la situation dans la main. Le Steam qui va se débarrasser quasiment de l'intégralité des adeptes sont seulement 4 SCV. C'est un investissement qui lui coûte très, 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 très cher.
cher et qui n'aura pas payé. Ici, on arrive à sauver un adepte en mode Lake Boss. Oh là là. Il fait une petite nib là. Parce que bon, c'est Zest, quoi. C'est ça. Il refait son split de DT. Ah, c'est vrai, le mec il est dans le désespoir le plus total. On fait pas notre vaisseau mère et on fait des DT partout. On voit de passer. Non, mais c'est non, parce qu'en fait il a le map pack. Hein, ouais, il a un map contrôle de ouf. Bon, ça lui coûte cher. Hein. Attends, mais il fait que des DT en défensif là. Mais lol, il a 10 DT. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Attends, il est en train d'essayer d'all-in le bunker peut-être pour aller foutre la pression sur la tourelle, ok, dans la B1, il a droppé également un DT, un adepte, ok, c'est un adepte qui est pris à partie, les DT qui vont YOLO au niveau de la B2, ok, la tourelle est down, est-ce qu'on va pouvoir réagir à ça, la B2 de l'autre côté, ok, ça a scanné, il y a tellement DT, les abus, GG, Zest. Zest. Ah merde, on peut pas avoir, oh non, et là il allait perdre, de toute façon il allait perdre 6 DT, 20 DT. Un quadruple drop qu'il pouvait pas gérer. 20 DT sur 10 minutes de game. T'es déjà le skill. Il est à 2 DT minutes de moyenne. Quel génie. Il a 2 DT. Hein. 2 DT minutes quoi. C'est n'importe quoi. Non mais. Je sais pas s'il troll ou s'il part complètement en couille ou si vraiment c'est une chance de fonctionner. Le mec est en mode full DT. Je fais des adeptes, ça me permet de banquer du gaz. Et il y a un moment où peut-être que si tu fais pas gaffe, si tu fais un move click, je vais te raser ta pop parce que les DT, si tu réagis pas vite, tu prends très très lourd, hein, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, le truc qui m'étonne, c'est. Est-ce que réellement pour un mec comme Zest, il n'y a pas moyen de comeback en jouant une game normale des dégâts que tu as pris en début de partie? Il est très très loin derrière avec la perte de ses probes, mais il a, Teja donne aussi une grosse partie de sa pop, donc il n'est pas à même de refaire un push tout de suite après. Enfin, à partir du moment où le mec fait full DT, il s'accroche aux branches de ouais, il n'y aura pas de détection à un moment donné, ou je vais lui ruiner son économie, ou alors je vais lui instant sa pop alors qu'il n'a pas de scan. Ouais. Mais sinon, c'est pas un comeback, c'est pas vraiment une mécanique de comeback réel en fait, frontal, c'est les DT. Donc il assure que la game est perdue si le mec a un scan. Ouais, mais je sais pas, t'as pas le setup, t'as pas d'upgrade de lancer, t'as même pas les pylônes, t'es genre devant la B2, t'as pas de. Enfin, t'as rien. En tout cas, c'est Tommy Shobano, c'est là, il est en train de revenir. Ciao. Ouh. Ciao. T'as vu en plus, ils ont plusieurs vignettes des joueurs, c'est cool. C'est Jack qui vient de gagner une carte, le mec a trop de skill et la retraite ne l'affecte pas. Mm-hmm. Moins de game, plus de skill, on se reconcentre, on ferme les yeux, en bas à gauche on joue le champion GSL en Protoss rouge. Il s'agit de... Saw that very extended. I thought the thing was bugged, that's why I said that. Yeah. Les commentateurs s'en battent les couilles et parlent par-dessus. Normal. Je ne te fais pas de cadeau là-dessus, mon bon Wolf, ce n'est pas sérieux. Ouais, donc bilan très mitigé en fait. C'est vraiment bizarre ce que propose Zest. Mais bon, quand, ouais, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vraiment il peut faire la transition? Le mec, il n'a pas les pylônes, il n'a pas le noyau de vaisseau mère, et le fait de relancer tout son setup défensif et que le Terad, il va poser B3, il va vraiment te mettre la misère. C'est autant le match-up en game standard, il est vraiment à l'avantage du Protoss. Mais dès que le proto c'est un peu de retard, ça veut pas dire qu'il peut revenir dans une game. Au contraire, les bons Terran arrivent vraiment à leur mettre loin. Parce que t'as pas ton effet snowball où tu fais que l'unité gateway. Non, mais en fait, c'est juste que j'ai envie d'être critique de sa masse d'été en fait. Ouais, alors ouais, que oui, la game est quasiment perdue, mais. Je sais pas. Est-ce que t'as pas mieux à faire, c'est ça? Est-ce qu'il y avait pas mieux à faire que ça, tu vois? Que d'espérer que le mec il fasse de la merde. Tu vois, à la limite, je sais pas, tu rush la storm, tu vois, ou tu pries que le mec s'empale une fois et. Parce que en vrai. Même s'il a perdu beaucoup d'économies, il s'agit d'un Protoss avec le Chrono Boost, donc les probes ça remonte, il a ouvert une partie de sa technologie. C'était un niveau tout autre, mais la game DNS contre Xenosider, l'ace match France-USA, était particulièrement dingue. T'as l'opening de Peace sur Frozen Temple de la part de DNS, je sais plus, je crois qu'il perd 12 sondes, enfin genre les mines se plantent, il perd tout, il y a zéro speed, c'est dégueulasse. Et derrière, il te sort le comeback de Jésus avec la micro Adept Soulcur Blink au petit oignon où il n'y a pas un truc qui rate. Et... C'est parce qu'il fait, il pose sa B3, il fait la défense au pylône dans la rampe et il a géré à la perfection avec grosse temporisation des sentinelles. C'est peut-être le... Oh, le SIV qui finit par tomber. Alors ça, c'était quand même bon, chaud. Zest,
Zesk a failli perdre une prop sur la race SCV. Bon, c'était important pour lui de tuer le SCV avant qu'il reparte à la maison. Ouais, sinon dans ta tête, c'est fini. Hein. Manquerait plus qu'il lâche un peu. Qu'il lâche complètement. Qui craque tout simplement Zesk sur ce BO3. Ouais. Il y a une game de l'élimination de cette GSL face à Teja sur New Gettysburg. Et du coup, eh bien, quand on se sent pas forcément à l'aise, on repart avec le bon vieux build order d'antan. Et le Gate Nexus into Robo et Twilight derrière. On devrait jouer Blink défensif. On va s'intéresser surtout à ce que Teja fait. Que veux-tu lui a un peu plus d'opportunités de changer et de faire d'autres choses ici. On bloque bien la rampe. Cet adepte qui aura scouté la Stargate, la Starport malgré tout. C'est ça, et l'adepte qui est en train de faire demi-tour dans le Medivac. On a démarré dans production du côté de chez Teja. Ça sent le petit poking, peut-être en mode diversion, peut-être en. Alors, faudrait éviter que ça faille autant que celui de Rayum contre Hiro juste avant. Ça fait les gates, ça fait le blink. Est-ce qu'on n'est pas sur une grosse pression en fait là? Sur le monde, il n'y a pas, c'est genre 3 gates expand. Là, on rajoute 3 gates supplémentaires, on rush le blink. J'ai un doute en fait là, sur le build. Combien de gates au total? 4 4. Ouais. 4 c'est un peu trop pour être seulement défensif. Ok, le premier drop. Est-ce qu'il va partir avec Teja qui n'est pas ultra rapide sur son 3ème CC néanmoins. Hein. Donc peut-être attendre le 2ème Medivac. Non, il va faire un Liberator. Très bien. C'est assez passif en fait ce que propose ouais. Teja. Bah peut-être diversion. Des fois, quand tu rush, le mec de toute façon il est en position, il te met l'overcharge, il te défonce la gueule. Tu t'arrives avec ton Medivac, tu poses tes marines, moindre danger, tu repars, tu essaies de poser ton libérateur, il y a un danger, tu repars aussi, c'est le tricot. Juste essaie de faire des choses et de pas t'empaler. Alright, Lops qui voit un petit peu où on en est sur ce setup Terran de production. On a la Rax, la Facto, la Starport qui ne prend pas d'addon, qui est en train de produire quelque chose, et Zez va avoir l'information sur le Liberator. Il est vraiment en train de go blink. Hein. Il est en train de. Il va mettre une pression frontale avec le blink. Ah. Alors c'est pas une mauvaise map pour prendre face B3 en tant que Protoss. Hein. Peut-être qu'ils se sont obligés de varier, il a bien raison. C'est peut-être aussi pour mettre le doute. Comme tu disais, en Protoss, t'as énormément de variété avec cet opening et au-delà de mettre le Dark Shrine, il met le blink. Justement pour blesser. T'es déjà dans la pente et dans le stress de se reprendre un truc dégueulasse. Le Libérator juste à l'oreille de la vision de l'observateur adverse. Teja qui va regrouper avec son Medivac, ok, prisme contre. Ouais, bon temps de réaction quand même. Hein. De la part de Zest, holy shit, il a même pas pris un hit. Très très vite réagi là-dessus. Du coup on ramène les marines. Hein. Défensivement on a un petit peu peur. Zest qui pourrait faire très 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 mal avec un warping d'adette et la pression frontale. C'est ça, parce que autant il a vu le prisme transfert, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu les trackers. Hein, et tu sais que voilà, ouais. Si t'as 8 adeptes qui débarquent dans ta main, tu fais moins le fier. Voilà, c'est bon, on confirme qu'on est sur du tracker. On fait du Medivac, on a la B3 du côté de chez Zestu. Et on a le Libérateur qui va arriver en mode coucou. Mais on est parfaitement prêt. Coucou. Il y a une position intéressante à prendre en bas à gauche de la main, je crois, de Zest. Là, il y a un dead spot, là. Hein. Un blind ouais. spot. Après, faut le passer. Hein. Ouais. Le problème, c'est qu'avec la réactivité de Zest, la poussée photonique, à l'instant où elle peut toucher quelque chose, elle est utilisée, quoi. Le réflexe, quoi. Le mec, il l'a mis en autocast, c'est le. Serait tellement pété, tu sais. Ouais. Il y a un script qui te permet de lancer une poussée photonique quand tu prends un Libérator. Et là, dans deux semaines, t'as David Kim qui propose. On va mettre l'auto. Quoi ? L'autocast. Hein ? Un pylône se fait. Un bâtiment se fait attaquer. Comisme. Le moment où il balance la sauce. Et on a par ailleurs augmenté la range hein, à laquelle vous pouvez envoyer la poussée photonique pour pouvoir le faire de toutes vos bases en même temps. Bien évidemment, il sert à ça à défendre, donc on lui donne les moyens. Hein. Voilà. Le triple drop qui arrive, tandis qu'on a une pression, j'allais dire frontale, mais non, il n'a pas avancé. On a seulement le prisme qui arrive pour Zest. Ramener peut-être des adeptes avec les glaives résonnants. Oh là 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 là. Teja qui a du mal à piloter ici. Non. Oh, qui va être vu par l'observateur. Pour l'instant, ce drop était parti de manière invisible. Il va le voir, il va le checker. Bien vu. Zest à l'affût. Et on n'a pas l'œil sur l'Obs, hein. On est plutôt sur le. Prisme transfert ici qui est derrière la ligne de Medra B2. Alors ça c'est un investissement que j'apprécie pas trop parce que voilà, faut cancel cette production d'unité là parce que ça a pas de sens réel de commit, il y a des unités bio en position libérateur qui va donner la chasse. All drame, ok, le coup de scan ici.
Qui te permet de... Là, t'en fais un juste sur ta pop en mode... Il va vu, je sais. Très bien, c'est pas mal fait. Et on va... Où est-ce qu'on va aller prendre la Xenaga au nord? C'est, tu fais des trucs à nouveau. C'est vraiment le mode, tu sais que tu prends des risques à faire, enfin à faire des moves, donc tu joues juste la sécurité, donc tu fais rien mais tu ne meurs pas. Ouais mais il a le terme en fait sur son positionnement, ce qui est plutôt intelligent. Est-ce qu'il veut prendre cette fight, Zest? Quand même beaucoup de bio là, hein. Je sais pas si cette fight serait très rentable. J'avoue, mais avec un cycle d'adeptes supplémentaire, je pense qu'il aurait pu. Maintenant, ça va regrouper, donc la donne sera complètement différente. On arrive sur le 1, c'est ce qu'il y a, qu'à son timing, en fait, le timing de la pause de B3 du joueur Terran sur les 8 minutes de game. C'est absolument parfait. Attention, le Terran là qui est complètement splitté, la catastrophe pour Teja. Okay. C'est la catastrophe. On a donné de l'unité, on a perdu de la bio un peu gratuitement là sur cette séquence pendant que le 3 MCC est droppé. Est-ce qu'on va accepter le fait qu'on est sous pression au moment de la prise de B3, payer des bunkers peut-être du côté de chez Teja? On a deux libérateurs, mais c'est une map où tu peux attaquer sur tellement de fronts que les libés ont tendance à pas être les plus efficaces possibles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh. Il y a trop d'espace au middle. On casse le caillou, on n'a pas compris que le bourdon c'est en train d'attaquer. Attention, Teja! Il va perdre son CC! Oh. Il va perdre le CC sur ce coup-là. Il est bien trop hors de position et il y a tellement de trackers dans la population du joueur Protoss. Les adeptes qui ont été shaded ici de manière peut-être un peu préemptive, ils sont très isolés ces adeptes. Il va les donner, oh on a le steam offensif qui est fait là. Attention, c'est tous les... Gros invasion quand même, hein. Alors tu pètes la B3, très bien, t'es toujours devant au niveau de la pop. Oui, monsieur, mais... Bon, 17 adeptes. Faut qu'ils s'en sortent avec cette pop, hein. Il faut pas qu'ils la donnent tout de suite, Zest, parce que du coup la contre-attaque quand même, elle est assez massive, hein. Teja qui a donné très peu d'unités pour prélever énormément d'adeptes. Cette fight qui n'est pas forcément à l'avantage du joueur de chez KT Rollster, qui a prélevé la B3, tu l'as mentionné, mais qui doit à tout prix gagner du temps et reproduire, puisque maintenant si on regarde, hein, 73 d'Army Supply à 43 pour l'instant. Oh. Zest un petit peu dans la panade, est-ce qu'il peut se débarrasser de ce prisme? Ah, c'est chaud, il y a obligation, hein, parce que là on sait, un match, c'est complètement éliminatoire. On est à 1 dans le loser match ici. Zest, champion en titre de GC. Elle tient peu, enfin plus ou moins malmené là où Taeja, lui, c'est contre sa retraite qui est en train de se battre. Peut-être sa dernière game ici et c'est chaud. Parce que même s'il a encore de la valeur d'armée, Steam sur Steam, c'est ouais. La galère, il n'y a pas de point de vie sur ces unités. On a tellement de revenus côté. On a plus du double, Ouais, il n'y a pas de B3 hein, du côté de chez. Teja qui pull les boys, qui va amener des SCV avec ce push all-in. Pendant ce temps-là, Zest, visiblement, n'en a rien à foutre, ou en tout cas ne lit pas particulièrement bien cette game, puisqu'il pose un quatrième Nexus, encore une fois. Hein. Ça flotte un petit peu au niveau ressources hein, du côté de chez Zest, mais c'est propre au Protoss hein, avec les cycles de production qui font que la dépense, elle n'est pas régulière. 5 adeptes de plus, voilà, on est retombé un petit peu à un niveau acceptable. On a également un prisme de transfert pour aller mettre la pression en contre-attaque. Teja avec 94 army supply contre les 90 de son adversaire qui va mettre ses libérateurs en défensif et le Conquis Shell qui s'est terminé va permettre de gratter quelques adeptes de manière plus ou moins gratos. Ouais, c'est ça, hein, on est sur du plus ou moins pour l'instant. Oh là là, le retard de population qui est absolument catastrophique. Les revenus sont hardcore, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pognon du côté de chez Teja. C'est le gouffre. Et regardez pas ce split. Ce split de Zest. Oh mon Dieu. En train de prendre son temps. Ouais. Il veut éviter à tout prix de devoir fighter dans les zones de libération. Et c'est pas mal fait, c'est pas mal exécuté. On va balancer un time warp. Est-ce qu'il va jump dedans? Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Non mais... On gagne du temps. Zest, il est en train de gagner du temps version mais c'est chaud. XXL. Le double des zooms ne suffit pas. On peut même... Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Un génie, il a trouvé. Il a trouvé. Zest qui y va, c'est parti. Zest sur les fronts, ou pas, ça troll, ça joue un petit peu avec nos nerfs sur ce coup-là. Il y a deux libérateurs qui tendent leur boule un petit peu hein, sur le sud contre les Blink Stalkers de Zest. Oh là là, ce split est absolument... Et là, c'est parti. Attention, le regard de 360 ici, quasiment de la part de Zest. On y va sur les deux libérations. Au nord, Zest qui est en train de se faire atomiser. Les libérateurs au sud qui se font. Le target fire qui est pas bon. Hein. Les Blinkstalkers qui sont pas en target fire sur les libérateurs. Il est en train de beaucoup donner. Est-ce qu'il peut hold Zest qui sait peut-être à poil trop. Il reste tellement bio. Non, Teja en train de faire le truc improbable. Peut-être choper l'immortel. Toute sa bio est tellement dans le rouge. Il faut repositionner les libérateurs. Il est en train de remplir. Attention, il vient de rentrer dans le prisme transfert. Mais s'il redémarque les unités, il va être sur la zone de libération. C'est complètement la merde ici. Attention, s'il est revenu, peut-être qu'ils vont payer le cycle de warp supplémentaire. Le tracker qui est décalé. Il est là, il est tout seul. Hors de portée du prisme. Me transfère, les pauvres. Il n'y a plus d'entière. Oh, il a récupéré. Il n'y a plus d'entière. 37 d'Army Supply à 16. Cette fight qui était largement à la faveur de Teja. Oh, il va se débarrasser du prisme de transfert également, du dernier Stalker. Et sauver deux marines. Oh. Économiquement, c'est toujours la même panade. Oh. 2400 de minerai contre 900. Qu'est-ce qui. Teja. Oh, Teja qui va essayer de prendre l'île. Mon dieu, Zez qui est tellement en train de récolter ici la contre-attaque avec le dragon. Oh, la micro. Il récupère les marines dans le midfang. Mais là, Ah, la mec est complètement ouf! Les libérateurs sont là qui sont en train de se mettre en position!
Ça se met en position, c'est bien, c'est pas mal, on gagne du temps, la valeur d'armée qui a encore l'avantage du joueur Terran. Mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont sur la carte comme ça. On décale les deux bases, ce qui va lui permettre d'avoir des revenus. Hein. Oui, alors, car là, là, ça va être catastrophe. Pendant ce moment-là, par contre, c'est assez triste, hein, les revenus du joueur Terran qui sont toujours en train de descendre. Voilà, on va bientôt être à zéro. Et là, il va dropper le Mjolnir. Sur Mjolnir. Non, mais il y a 24 face à 61. C'est tellement le... Mais regarde, attends. C'est très intéressante, la stat. J'ai refait échappe. Regarde les ressources perdues, mec. What? Zest, il a donné comme un goré dans cette game. Ah ouais, complètement. Et c'est la raison pour laquelle c'est encore plus ou moins close alors qu'on a cette différence économique et que Zest a beaucoup plus miné. Hein, parce que lui, il est sur B3 depuis quasiment le début, depuis 6 minutes de jeu, alors que Teija s'est fait sniper son 3ème CC ultra tôt après l'avoir positionné. Il y a un 4ème Nexus qui tourne pour Zest et pourtant, cette game est tendue comme un string. Il vient de payer son 2-2 pour essayer d'avoir un avantage économique. Mais on le voit, hein, du côté de Teija, on ne refait au moment où je dis ça, on fait un SCV, mais on fait surtout beaucoup de populations armées, de Libérators, des Marines. Non mais il y a 60 de pop des K. Il n'y a pas le double, mais pas loin du côté de chez Zest, qui est tellement devant, mais qui n'a pas encore information sur la prise de l'île. Il est en train de faire son 2-2. Là, tu as quasiment la meilleure façon presque d'assurer la game. C'est en train de refaire des upgrades, tu es en train de relancer ton économie, tu complètes tout ce qu'il faut, tu vas consolider ton avance. Mais attention. Il n'a aucune vision sur le sud de la carte. Hein. Il n'a plus de Phoenix, il n'a plus d'Obst, plus de quoi que ce soit. Rien du tout. Et Zest, pour l'instant, il est en train de se faire blindsider par ce triple drop qui arrive. Double libérator. On va voir le temps de réaction. Le temps de réaction est bon du côté de chez Zest. Énorme warpin. Mais quand même, trois médivacs, en train d'être droppés. Et les libérators qui sont déjà positionnés. Zest qui vient de donner 6 adeptes et son mothership core. Ainsi que ses forges. Oh mon dieu. Oh, est-ce que c'est pas encore l'occasion d'avoir un nouveau trait de base ici sous nos yeux? On prend les forges hein, pour péter les upgrades qui ont bien sûr été annulés pour récupérer les toons du côté de chez Zest. Mais il y a des units, il n'y a pas possible. Il peut pas monter ça. Hein. Oh, what the fuck. Il est en train de les chercher. L'artosis Malone ici. Il est complètement en train d'aller le défoncer si vous lui permettez de désalimenter les gates. La B3 à nouveau qui est en train d'être mis sous pression par du côté Protoss. Ici, on va devoir la donner. Mais la fight va être prise. Il y a tellement de bio. D'où est-ce qu'il a chié autant d'unites? Le pouvoir de la mule du côté de chez Teija ici en train de trade de manière très très rentable face à l'armée Protoss. Et ici, on va tout donner. C'est ce qu'il donne. Comme un goré, il n'y a plus que des Blinkstalkers à égalité d'upgrade contre de la bio et des Medivac et des Liberators. Non mais what the fuck? Ça se passe très mal. Il est complètement en train de le déchirer ici. On a un adepte qui veut être warpé. On a un adepte, il est complètement en train de désalimenter toutes les gates. Il a plus de gates. Il a un income de port, mais il a plus de gate. Y a pas une seule gate qui bosse, regardez une. Non. Et la robot, elle est une power. Y a pas un seul bâtiment qui peut produire autre que des sondes. Oh là 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 là. C'est juste. Zest avec le triple. Non. Il a pas vu arriver. Non. Qui est en train de se faire éliminer par un putain de joueur à la retraite. Que se passe-t-il alors? Pas n'importe quel joueur. Hein. Ici on parle de Teija, mais Zest dans une panade totale. Il mid, mais il ne peut pas produire. Et surtout, s'il pouvait produire, il produirait des unités de merde. Ok, double prisme. Il va même pas sur l'île. Il a double prisme ou j'ai rêvé? Il est sur la B3. Non, en fait, il a décalé. Il a fait un gauche droite de manière différente. J'ai cru que c'était un autre prisme. Ok. Pour Zest. Là, il faut gagner encore plus de temps et produire des unités seulement. Teija qui est déjà là. Teija qui sent le sang dans l'eau et qui va lui sauter à la gorge. À nouveau, les pylônes qui vont être détruits. On va être obligé de cancel. Plus aucune capacité de production pour Zest, le champion GSL, en train de se faire attraper. Oh mon dieu! Non, mais c'est complètement ouf là! Il y a beaucoup trop de population! La B4 était la dernière base qui récoltait quasiment du côté Proton. C'est en train de contre-attaquer, mais on n'a pas vent! On n'a pas vent de cette base ici planquée de l'île! Il est en train de se refaire démonter alors qu'il a. Tellement, il a 2000. Teija est repassé devant à la fois. Non mais là c'est la Dark Shrine et c'est Gate, il te fait les 20 DT. Ouais, il te fait les 20 DT. Il a 2400 et 1800 de gaz, il ne peut rien produire, on a relancé des gates. Cet investissement qui ne sert à rien, on reproduit un Stalker. Quand de l'autre côté on a 88 d'Army Supply, avec des Libés, avec des mines, des maraudeurs, des marines. Et on va rentrer dans l'art incroyable, tonnerre. Tonnerre, coup de tonnerre sur la GSL, le champion en titre est en train de se faire attraper par un Teija complètement chaud et complètement avec rien à perdre hein. Au moment où il perd son 3ème CC, ce go all-in et derrière le double lift de la B1 et de la B2 pour prendre l'île, pour prendre la B4 naturelle, Teija ce malade, 92 de pop à 51, qu'est-ce qu'il peut faire? Zest, il peut rien produire. Mais c'est juste pas incroyable ce comeback de Jedi, la prise de l'île, les prises de fight absolument scandaleuse alors que Zest lui avait fait le 360 de ouf. Non, là c'est
c'est la contre-attaque du désespoir. On est en train de prendre les sondes, on est en train de prendre les trackers. Mais là, on est déjà libérateur, on a mine, on a les maraudeurs, on a toujours possibilité de se repositionner sur l'île. On est en train de mettre les tours lance-missiles avec les libérateurs. Le mec est en train de verrouiller la game. Et rien que ce trade là ici entre Stalker contre les marines de. Contre les marines zéro, de Teja, c'est son tour. Il va sniper le maximum de Stalker qu'il peut. Et certes, la micro de Blink Stalker, de Zest et de Trade là au niveau, il se fait piquer le prisme. Et c'est terminé. Incroyable, Zest éliminé de la GSL. Non. GG Teja avec le grand sourire comme vous pouvez le voir sur votre écran vient de faire l'impossible. Il vient de se faire éliminer par l'homme qui lui avait à qui il avait mis 3-0. Zest vient de se faire éliminer du groupe de GSL par le joueur qu'il a choisi dans son groupe et l'autre qu'il a swappé. En gros, les deux, pour lui, les deux joueurs, Zest vient de se faire éliminer par, pour lui, les deux joueurs les plus faibles. Par les deux joueurs qui la piquent. Par les deux joueurs qui, pour lui, sont les plus faibles. 2 sur 9, 16. Oh, énorme, énorme, énorme désillusion. Genre, il pique Ryung en premier et ensuite il utilise sa capacité de champion en titre à swapper un joueur pour faire venir Teja et il perd les deux. Non, mais c'est pas possible. C'est. C'est incroyable. Non, parce que même cette dernière game où tu te dis c'est bon, il est mort, allez, Teja, on ne te reverra plus jamais. Et là, il arrive. Fla, 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 fla. Prise de fight, tout ça, t'as vu. Et je te retourne. Des décisions, des prises de décisions questionnables de la part de Zest. Une exécution moyenne, je dirais, sur la fight qu'il prend au niveau de sa B3, ouais. Avec surtout en fait les libérateurs qui ne sont pas ciblés. Pour moi, il y a deux libérateurs qui doivent être pris avant même que la fight démarre. Les deux libérateurs qui tendent leur boule au sud là, ceux-là, ils doivent être détruits avant même. Mais ouais. Tu prends 10 stalkers et puis tu les grattes et tu le forces à le bouger. Au moment où ils dessiègent, tu les prends. Ces libérateurs, ils ont détruit, avant même de parler de détruire, ils ont tapé 4, 5, 6 fois, ce qui est déjà beaucoup trop. Ça n'aurait pas dû arriver dans une situation parfaite. Derrière, il se retrouve sur une situation de 6 milli base trade. Et en plus, et il se prend, et c'est ça qui fait toute la différence, le triple drop double libérator dans la main, qui est déjà le début d'un Zest qui n'a plus de capacité de production et qui n'a, en fait, a des bases et a 2000 d'income, mais ne peut rien en faire. Et c'est là où c'est un peu con, c'est que si toute ta production est dans ta base principale et que le mec, il a plus que pour seule option de te doom drop, tu rajoutes un ou deux cadeaux à Photon, tu vois, en plus de ton noyau de vaisseau mère. C'est beaucoup trop de confiance dans le jeu de Zest. T'as OK, t'as tête de pylône, t'as le Momo. Tu sais ce qui se passe, mais si tu sais ce qui se passe, t'as des tudes, le mec il en a pas, tu mets 2-3 canons. Et du coup, tu temporises, t'as le temps de faire un cycle de war, tu perds la moitié de tes gates, mais ouais. L'autre. Là, c'est vraiment, il perd tout d'un seul coup et catastrophe. Tu vois, et encore une fois, il y a quelqu'un qui le mentionne sur le chat aussi, il y a la donation des 20 adeptes aussi après la prise de la B3. Ouais. T'imagines si ces 20 adeptes, ils fight, ils font quelque chose, quoi. Parce que là, en plus, il a 20 adeptes isolés contre toute une bio avec des medivacs. Ce qui veut dire que sur cette fight-là, je pense qu'il a virtuellement rien perdu. Teja, peut-être 3-4 marines pour l'intégralité des adeptes de Zest. Oui, oui. Alors oui, le 3ème CC tombe, mais... C'est la meilleure solution pour avoir une contre-attaque qui fait mal du côté de chez Teja, qui en plus sent plutôt bien le coup en ramenant des SCV et prend une fight de ouf sur laquelle, pour moi, en plus, Zest sous-joue. Et ensuite, tactiquement, le positionnement dans la B1, l'unpower de toutes les gates, parce qu'on parle des gates, mais on parle du 2-2 aussi. Hein. Le 2-2 qui était déjà genre à un tiers, qui est cancel instantanément. Ouais, ouais, ouais. Toute la game est à égalité d'upgrade entre des gateway units et de la bio. Ça fonctionne pas. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'à tous les moments, tu te dis que Zest, il peut faire mieux que ce qu'il fait pour complètement écraser Teja, mais genre, c'est pas fait. Parce que peut-être il est pas à 100%, ou il sous-estime Teja, qui lui a la ressource et arrive à lui sortir des trucs qu'un peu jamais il a vu de sa vie. Parce qu'il faut s'arracher pour la gagner à la place de Teja. Il te fait tous les bons calls et il te les exécute à la perfection. Et genre, il y a un Zest qui arrive pas, à se remettre en route et à refaire la game 100% où tu laisses aucune chance. C'est ça. Parce qu'en fait, ça, il ne laisse que des toutes petites chances à Teja et Teja les prend toutes. Successivement, non, mais et au bout du compte, ça fait la victoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que déjà tu as un Zest qui est moins solide et je pense peut-être un peu moins. Comment je tournerais ça? Peut-être moins fluide dans sa pensée, ouais. Il réfléchit. Vraiment, encore une fois, pour moi, ce go là sur la B3, c'est genre
Bon, comme d'hab, Zest, il va prendre son, enfin Teja, il va prendre son go au moment où il va prendre la B3. Ça va aller trop vite. Il y aura trop de gateway units. Repeat de 90% de mes games en PVT depuis 6 mois. Tu vois, Zest, il est là, putain, je suis en loser match. Qu'est-ce que j'ai branlé? Bon, allez, vas-y, on sort Teja et tout machin. Là, 1-1. Ah ouais, d'accord. Bah, ok, je me suis fait contre build avec mon face d'été contre le push concussive shell. Bon, c'est la merde, mais voilà, à nouveau, t'as envie, tu sens un Zest qui a envie de se précipiter vers la situation dans laquelle il se sent à l'aise. Et le problème, c'est qu'il fait des erreurs, il fait des erreurs énormes. Et Teja, il a beau être là en touriste, Teja, d'un point de vue tactique, exécution en TVP, historiquement, c'est un des meilleurs joueurs qui ait jamais touché à StarCraft 2. Mais tu vois, même à la fin, où faut, quand faut tryhard avec les remonter les marines dans les Medivac parce que t'as la fight qui est un petit peu ric-rac et il faut faire la différence jusqu'au bout. Enfin, Teja, il remporte une game où à un moment, il a zéro de revenus. Il n'y a pas un pet de minerai et un pet de gaz. Ouais. Alors que le joueur proto, c'est sur 4 bases. Mm. Ça ne doit pas arriver. Ouais. Mais t'as déjà le fait. Comment est-ce que tu peux pas plus écrire ton nom dans la légende qu'avec une game comme ça? T'étais en train de prendre ta retraite. Mais... Tu fumes le champion de GSL en titre. Tu vois encore, tu vois, t'as la finale de la, du round de la Pro League où t'as Maru, bam, qui finit sur, tu vois, Ace Match, truc de ouf. Voilà. Mais tu vois, c'est Maru. Sur un Ace Match, c'est un BO1. Là, il arrive, BO3. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf, c'est un des résultats les plus inattendus possibles qui ait eu lieu en GSL depuis le début de cette saison. Zest est sorti et ne défendra pas son titre, en tout cas bah voilà, son titre est remis en jeu puisqu'il est éliminé. Et du coup, on a un héros qui est passé, maintenant on va savoir si Teja est capable de pousser encore plus son histoire et voilà, est encore possédé par l'esprit de la GSL qui lui dit « Non, ne prends pas ta retraite, continue de progresser, tu seras là encore try l'année prochaine. » Tu sais, t'imagines Zest, Teja qui gagne la GSL et qui retrouve à la Biscone, tu sais. Genre avec son grand sourire. Salut, je veux réouvrir. Salut les gars, j'ai rien à foutre là, mais c'est pas grave. Une fois dans ma vie, j'aimerais ouvrir une bouteille de champagne correctement. Voilà, c'est ça. C'est peut-être son, tu sais, quand il sera vieux, l'un de ses plus grands regrets de ne jamais avoir ouvert une bouteille de champagne, tu vois. J'avoue. De manière correcte, tu veux c'est dire. C'est ça, de manière correcte. Parce que la dernière fois, c'était un peu ridicule. Justement, son 17-0 de ouf, il le termine pas par la plus belle bouteille de champagne. Ouais, il termine par un vieux. Bon les gars, ok, 17-0, salut. En tout cas, donc Teja contre Ryung, ce sera le dernier match de cette soirée, le match décisif pour savoir qui prend la deuxième place derrière Hiro. On se retrouve dans quelques instants sur Gaming StarCraft de la TV qui poutre, ne bougez pas.